la vois là comme ça. C'est pas pour une femme qui comme ça, tout le temps pour dormir, maman. Seulement parce qu'elle commence à dormir que tu la poursuis comme ça. Abba. C'est quoi? Viens, 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 viens. Tu bouscules l'enfant comme si elle avait tué. C'est quoi? Rien, maman. Rien comment? Je dis, hein? Qu'est-ce que tu as malade? Donc tu n'es pas au courant, Monica. Au courant de quoi? Tout le quartier en parle. Mais Abba est enceinte. Hein? Abba! Hein? Abba! Tu es enceinte? Tu as vu tes règles, c'est moi? Oui, maman. Tu as vu tes règles, c'est moi, Abba? Non, maman. Non, maman, oui, maman, c'est quoi? C'est le plus grave, ça ne vient pas. Et tu ne m'as pas dit. Monica. Tu ne m'as pas dit. Ah bah quand tu vois la fille qui a 14 ans, hein, Rebecca. Quand tu vois la fille de Bola. Qui t'a fait ça? Le gars là, Bidou. Tu joues avec les garçons? Le gars là, ah bah Bidou. Parle non. Ah. Il a vu là-bas en bas, maman. Il a vu là-bas en bas. Tu n'as même pas traversé la route. Monica. Tu vas l'habiter. Tranquillise-toi que je te dis ça pas en belle. Elle te dit qu'il a vu là-bas en bas. C'est là le fils de la femme qui bavarde trop au quartier là, non? La brune là. Ah bah tu peux m'appeler tout le monde à la maison. Sauf la femme là. Ouais. Donc tu as fait comme ça, tu es parti là-bas. J'ai la femme qui est bavarde comme une pile là. Tu vas l'appeler là. Monica, ce n'est pas la solution au problème. Hein. Ne t'enflamme pas comme ça. Hein. Dans cet état-ci, tu vas seulement aller rencontrer la mère de ce gars. Vous allez causer, vous allez vous entendre pour trouver une solution à ce problème. Ce n'est pas en faisant la brutalité. Tu vas le mariage, non. Allez, cet enfant. Pas de moi, ça va. Pardon. Ah, laisse-moi. C'est deux vies qui sont en danger comme ça que tu bouscules l'enfant là. Hein. Allez, tu vas là-bas. Ne bouscule pas comme ça. Tu vas le monter là. Tranquillise-toi. Va là-bas. Ou bien c'est moi qui ne vois pas. Mais la porte s'est fermée. Je tiens. Boris, elle est là-bas. Boris. Mais la porte va me tuer un jour. C'est-à-dire les bandits vont même venir me tuer devant ma porte. Cet enfant ne reste jamais chez lui. Comment ça? Tu n'as même pas envie de me fouiller! Tu voulais la barrière, non? Ça va pour filer, le même gars! Regarde-moi une fois! Comment ça va? C'est deux filles que tu n'as pas. C'est où? Ah, ici, hein? Tu as la télé chez vous! Allez! Comment ça va? Allez! Ouais, on dit que c'est quoi, non? Les gars, tu veux tirer la barre là, c'est quoi? C'est ici que tu voulais habiter, non? Tu t'en fais, allez, non, pour l'aide à la fête, ma fille! Alors, là, voilà! Gardez la comme vous voulez! Comment allons? Attends. De quoi? Attends. Boris! Boris! Tu vas voir où avec qui? Donne-moi ça! J'ai dit, c'est qui ici? C'est un ami. Quoi? C'est un ami. C'est encore au niveau de l'amitié. C'est qui ici? Et elle est là pourquoi? C'est lui? Oui, maman, quoi? C'est lui, quoi? Parlez-moi! Parce qu'on a venu la laisser ici, là, tout à l'heure, en tout cas, ou bien quoi? Ou quoi, fait? Dans tous les cas, je ne suis pas là pour discuter de quoi que ce soit. Toi, comme tu rentres là-bas, tout le monde est là pour partir. C'est moi qui t'ai dit ça. Comment quoi que c'est comme ça que. On ouvre la porte ici, papa! Ouvre-moi la porte là! Tu vas prendre ton sac! Papa, c'était ça! Je te dis que non, papa! Ce que tu as fait, je ne suis pas d'accord de ça. Je te dis, je ne suis pas d'accord. Elle a 14 ans! Et si c'est la 14 ans, où est le problème? Avec une femme même! La papa de femme qui tient le papa tout le quartier là! Ah, quand ça n'est ici, on va faire comment? Mais je ne suis pas d'accord de ce que tu as fait là. Pensez qu'ils allaient récupérer l'enfant, la Monica. Elle va rester là-bas. Elle va rester là-bas de ce qu'elle voulait. Monica, on ne sait pas ce que les enfants nous réservent comme surprise. On ne peut qu'accepter la condition où Abba t'a placé maintenant. Là. Qu'elle a là-bas mariage une fois, maman. Tu ne peux pas forcément te donner à ta fille là-bas. Ah, je m'en fous. Qu'elle parte là-bas une fois. Je ne veux pas les grossesses ici chez moi. Si tu causais avec ta fille, hein? Si tu causais avec ta fille là, c'est que peut-être elle n'est même pas dans la situation où elle est là. Hein? Tu as même vu le genre de maison, Rebecca.
tu as vu le genre de maison où un papa s'est problème. Est-ce qu'on regarde la maison, tu comprends ça? On comprend ça qui la bamba. Est-ce qu'on sait ce que les enfants nous réservent, Monica? Tu m'as donné la soupe, tu comprends? Ici, je n'ai qu'une seule chambre pour un enfant. Je n'ai pas deux chambres pour deux. Comme tu as même pas que c'est la solution de venir, de venir te laisser ici, je m'en vais aussi laisser le mien là-bas. Elle va rester là, choisi. Quelle maison même. Tu accouches seulement l'enfant, tu n'accouches pas le cœur. On ne sait pas ce que les enfants nous réservent. Je deviens quoi? Je deviens quoi? Pourquoi elle va me faire honte? Regarde la maison qu'on s'en parle. Ah, on n'a qu'à accepter la condition dans laquelle elle t'a placée. Tu ne peux pas changer le destin. Elle va rester là-bas. Non. Elle va rester là-bas. D'aller récupérer cette fille. Là-bas. Toi-même, tu dis que la femme-là aime les problèmes, elle aime ci, elle aime ça. Tu connais comment elle va traiter ta fille là-bas? Ah, c'était ça. Ce n'est pas une solution. Elle va rester là-bas. Moi, je ne peux pas accepter ça, maman. Tu ne peux pas, même si tu vois comment. On va faire comment? Ah, voici ton fils que je suis venu te donner. Ben voilà. Vas-y, tu crois que c'est la solution? Tu quittes, tu viens me laisser l'enfant là-bas. Tu crois que quoi? On devait s'asseoir. Et toi et moi, on s'asseyait, on discutait. Nos enfants sont mineurs. Tu crois que la solution, c'est de venir balancer? Si c'est la brutalité que tu veux, tu sais très bien que chez moi, tu me laisses parler. Tu me laisses parler, madame. Hein? Si tu crois que chez moi, on me gagne souvent, on ne me gagne pas comme ça. Là. Voilà l'enfant que je t'ai laissé. Fais de lui ce que tu veux. Tu comprends, non? Quoi? Je vais le tuer si tu le laisses ici. Si tu le laisses ici, je vais le tuer. Tu l'as, tu comprends? Tout ce que Dieu t'a dit une chose. On ne fait qu'une seule chose à coucher. Quand l'enfant sort, il ne t'appartient plus. Tu l'as et tu verras ce que tu auras. Regarde-moi ça. Regarde-moi, tu es malade. Tu restes là. Et quand je te dis d'entrer, tu es entré dans la maison une fois. Entre là-bas, tu vas rester là-bas. Et tu comprends. Et là où? Va là-bas. Regarde-moi ça. Et toi, tu t'attendais à quoi? Tu as vu là-bas. Et quand tu vas coucher. Tu vas couper. Monica. Tu voulais faire une réaction de comment? Qu'est-ce que tu as fait? Monica, ça ne sert à rien ce que tu fais là. La solution, c'est de s'asseoir et causer. C'est le dialogue qui va résoudre ce problème. Regarde comment elle réagit. Regarde la réaction d'une maman. Tu as fait pareil. Je te dis que c'est le dialogue qui va prévaloir ici, Monica. Ma, c'est bon. En tout cas. Tu es tout seul, donc elle est tienne. Tu vas lui faire quelque chose qui va lui faire. Quand elle te demande d'aller me vendre les beignets ici, là, tu montres comment tu es un grand garçon. Maintenant, là, ce sont les ignames que tu vas porter sur ta tête, là, les vendre partout. Parce que avec ça, qu'on va faire le trousseau de ton fils, là. On te dit d'abord. Et toi, tu es assise là. Dès que tu vends l'igname, tu finis d'enlever la peau, tu mets dans le même plateau. Ce sont les peaux là qu'on va manger. On vous envoie à l'école, ce sont les grossesses que vous ramenez. Tu as voulu rire ou quoi? Tu ris avec moi? Celui-ci, les problèmes et toujours les problèmes. Moi, je t'ai dit une chose. Tu es le seul enfant qui est né dans la maison sans être dans le mariage. Celui qui va venir là, tu vas épouser la fille là. C'est moi qui te dis. Parce que ton père a fait pour toi, t'es venu me mettre la grossesse et fuir. C'est ce que tu voulais aussi faire. Tu vas épouser la fille là, c'est moi qui te dis ça. C'est quoi ça? C'est quoi? Il y a quoi? C'est quoi que je vois là? C'est quoi? Allez, toi, lève-toi, va là-bas, tu es dans la maison. Tu vas là, lève ta bille. Bonjour. Bonjour, de quoi? Les enfants s'habillent comme ça devant toi, tu ne dis rien. Ok. Eh, ah, vraiment. Mais c'est quoi ça? C'est le mariage? Ouais. Pourquoi tu cries comme ça? C'est le mariage? C'est quoi? C'est même comment? Si tu sors, c'est quoi? Papa, tu sais, ça part à la maison. Va me chercher dans ça. Va me chercher dans ça. Non, elle ne peut pas bouger. Il n'est pas pensé que tu as courage. Je l'encourage pas, mais c'est arrivé, on est obligé d'accepter. La fille a 14 ans. Je t'ai dit ça depuis. Mais si elle a 14 ans, ça fait quoi? Mon fils a 16 ans. Hein? Ils sont tous mineurs. Toi, tu as baissé la tête de ton enfant. Ah, toi, tu n'as pas baissé le tien. Si ton enfant ne grandit pas, tu crois que c'est. Mais toi, tu es là, tu ne parles pas de ça. Fallait avoir la maison. Tu ne veux pas te lever là où je dis? Pardon, pardon. Tu veux te lever? Pardon. Ouais. Allez, lève-toi maintenant.
Tu peux tout faire là. Calme-toi. Mais l'œuf qui est dans le ventre ici. Monica. Écoute-moi, maman. Donc tu es contente de te faire. Non, ce déjà là, je ne peux rien faire. Tranquillisez-vous. Dans cette situation, vous devez seulement vous asseoir et trouver un terrain d'entente. Quoi? Vous hein? Non, je ne sais rien. Je m'attends avec quelque quoi. Son fils a enceinté ma fille et tu me dis que je m'attends avec. Ce n'est pas une raison de, pour laquelle tu dois trop bavarder. Asseyez-vous, vous trouvez les points sur les i. Comment vous allez faire de cet enfant? Quand on parle de 6 mois, ça veut dire que bientôt elle va mettre au monde son fils. Et vous allez, avec cette discussion, ça va aller où? Ah bah, prends ton sang. Qu'est-ce ça? Depuis 3 mois que tu as laissé l'enfant, l'enfant a 6 mois de grossesse. C'est aujourd'hui que tu arrives et tu demandes. Hé, hey, pourquoi tu dis je vente? Pourquoi tu dis je vente? Tu sais combien de points touche au ventre ici? Depuis 3 mois. Regarde pas, je vraiment. Maman, j'ai envie de mourir. Mais ton beau roi, je vais mourir. Yes. Va dire au père là-bas. Il saura comment retirer ta fille d'ici. On y va. Elle ne bouge pas. Tu as vu la maison là où tu dors? Tu as vu la maison là où tu dors? La maison est comment? Tu as laissé les carreaux chez ton père. Tu dors ici. Voilà. Abba. Tu as laissé les carreaux. Avec toute l'éducation qu'il y a dans les carreaux pour venir ici là. C'est l'éducation des carreaux qui t'a mis la grossesse alors. Avec Monica, allons. Abba. Oui. Tu ne vas pas te lever. Tu ne vas pas te lever. Monica, laisse. Oh, non, c'est une histoire. Non. C'est madame. Madame. C'est ma fille. C'est ta fille. Mais elle te dit que ce qu'elle porte là est aussi à moi. Maman, c'est compris. Tu vois comment elle a fait. Ne brutalisez pas l'enfant. Abba, allons. Je crois que la fille. Elle ne peut pas partir. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça, même s'il faut venir, ce n'est pas comme ça là. Ça veut dire que vous avez déjà pris cette fille en mariage. C'est pas que j'ai pris, on est venu me donner. Et j'accepte. Non. Est-ce qu'il y a un problème? Laissez le problème d'aujourd'hui là, Abba, allons. Non, tu ne peux pas partir. Laissez-la. Même s'il faut venir, c'est moi qui vais l'accompagner. Pas maintenant là. Comme tu encourages les bêtises. Je n'encourage pas les bêtises. Mais Abba, mon petit fils est dans ce ventre. Tu laisses la maison en carreau de ton père là-bas pour venir vivre dans les voluges. Les maisons en bonus. Regarde pas celle qui parle là. Ces enfants, tout le quartier a touché. Elle vient parler à la paix d'enfants. Tu veux parler là où les gens parlent? Tu n'as rien à me dire, toi, tu as compris? Parle là-bas. Tu peux donner aux enfants. Quelle éducation là-bas, tu viens raconter quoi là? Tu racontes quoi? Maman, non. Qu'est-ce que tu racontes? C'est cette femme. L'éducation que tu vas donner. Maman, il y a une éducation là-bas chez vous. Il y a une éducation dans les maisons à carreaux là. En tout cas. C'est ici donc qu'il y a l'éducation. Oui. Oui. Voilà l'éducation. C'est ça. Alors quand tu donnes à ton fils. Quelle éducation? Ta fille est partie de chez toi là-bas pour venir prendre la grossesse chez moi. Voilà donc l'éducation que tu as donnée. Va prendre ton sac. Ton sac est où? Va prendre le sac là, je t'accompagne là-bas. Toi, tu vas rester ici. Parce que si elle te voit encore, c'est un autre problème. Va prendre le sac. Ouais. Elle est bien fatiguée, on la bouscule encore. Dieu ne m'a donné qu'un seul enfant. L'autre qui est là-dedans, je ne m'amuse pas avec. Tu me vends les ignames. Reste joyeux. Quand j'arrive, tu vas voir. On va acheter la valise. I want to say, 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 I want to